Jeunes gens, vous êtes les plus nombreux dans cette salle aujourd'hui. Je voudrais m'adresser à vous et répondre de façon incidente à M. Racine Ndiaye sur l'État est-il seul responsable? Que doit attendre la jeunesse de nos États africains? D'entrée de jeu, je voudrais adresser un message direct à la jeune génération, la génération actuelle, la génération d'après. Je vais parler cash. Hein. Vous là, les soutiens de Magali là, il faut arrêter de penser que l'État va transformer votre vie en qualité, vos défauts en qualité, vos fautes en qualité, vos qualités en quantité. Non, ce n'est pas sa vocation. On peut choisir entre l'État policier et l'État de droit, entre l'État gendarme et l'État providence, entre l'État centralisé et l'État décentralisé, entre l'État unitaire et l'État fédéral, entre l'État stratège et l'État réactionnaire, entre l'État actionnaire et l'État régulateur. Mais aucun n'est le bon. Et puis, avant d'assigner une tâche à l'État, il faut être sans tâche. Oui, en comptant d'abord sur votre propre intelligence, votre courage et votre persévérance. Nous sommes entre nous, hein. Alors on va se dire des vérités qui résonnent, des vérités qui résonnent sans sévérité, sans vulgarité, sans vanité. Si vraiment vous croyez que l'État doit tout faire, si vous voulez indexer et pointer l'État dans toutes les situations, vous avez un problème non pas avec l'État, mais avec vous-même. Acceptez donc d'être catalogué comme la jeunesse gâtée, gâchée et ratée. Oui. Et comme ça, vous voulez tout arrêter, tout mettre sur le dos de l'État? J'arrête ou je continue? Je continue ou j'arrête? Bien. Lorsque j'entends dire que c'est la faute à l'État, je me dis qu'ils ont tout faux. L'État doit certes organiser l'égalité des chances. Lorsque j'entends dire que c'est à cause de l'État, je me dis que la conséquence est en train de s'incliner devant la cause. Lorsque j'entends dire que l'État est responsable, je me dis, jeunes gens, jeunesse africaine du Sénégal, vous confondez la responsabilité et la culpabilité. Ah, vous méritez, vous également, un moment d'émotion ce soir. Hein? La jeunesse n'est certes pas une vertu, mais elle possède des vertus. Il y a des illustrations, des exemples qui fascinent, qui façonnent. Il faut choisir les success stories au lieu des love stories. Ce n'est pas l'État qui a entraîné Sadio Mané quasi ballon d'or du monde. C'est vrai, le pied de Sadio Mané a épaté le monde. Le monde est aujourd'hui à genoux à cause de son pied éclaté. Mais le plus fort ne doit pas être le plus fort de l'équipe. Autrement dit, l'équipe doit être plus forte que le plus fort de l'équipe. Ce n'est pas l'État qui a entraîné Youssou N'Dour, artiste interplanétaire, créateur de valeurs, de richesses, d'emplois. Youssou N'Dour, il a tellement fumé de musique qu'un jour il va mourir d'un concert. Ce n'est pas l'État qui a fabriqué Papa Ngom Sédiment, ancien orateur, agro-businessman de renom en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas l'État qui a préfabriqué Pape Djibril Fall,
entré avec fracas et intelligence dans la scène politique, ancien orateur de l'UAO. Et ce n'est pas l'État qui a créé cette institution et qui m'y a mis. Bien au contraire. Alors que j'en étais innocent, l'État m'a mis en prison. Mais je n'en veux à personne. Puisque l'État, c'est vous et nous. Puisque l'État, c'est personne, alors qu'on ne sermonne personne. Oui. Jeunes gens, il y a deux façons de faire face à vos problèmes. Oui. Le courage ou le pantouflage. L'abnégation ou l'abdication. Les réseaux sociaux ou les réseaux socio-économiques. L'alcool ou l'école. La cigarette ou la sucrète. La chicha ou le crachat. Oui, l'alcool ou l'école. Hein. Ça, ce sont des vérités. L'heure a définitivement sonné. Oui, mais vous devez le comprendre. N'acceptez plus jamais de mettre toute la responsabilité sur l'État pour dire c'est l'État qui est la cause de mes maux. Et puis, et enfin, et pour terminer, ne perdez jamais, jamais le dernier mot face à l'État. C'était mon dernier mot.